Profiter occasion ça pour voyer un mot de sympathie par tout le monde qui est victime dans la dernière violence que le pays a connu. Pendant je suis là, j'étais dehors, j'étais en Dalia, en Turquie, et nous parlions pour nous faire le point sur certains problèmes que le pays a à confronter aujourd'hui. Mais maintenant, on parle premièrement de résumer ça. Forum sur diplomatie qui est à Antalya, je profite de saluer chaque Haïtien qui vit en Haïti et ceux qui vivent dans le pays étranger. Je suis quitté le pays jeudi matin de très tôt, vers 5h30, je suis allé dans la ville Antalya, qui est 4e ville dans le pays Turquie, et Mkwe, c'est la capitale touristique de la Turquie. Jean, moi, ouais, monsieur Damio, t'es deal dans le forum. Moi, t'ai gagné plusieurs bilatérales. Premièrement, j'ai gagné un bilatéral avec le président forum international diplomatie. Nous t'ai parlé de plusieurs bagages. Mais ça qui était bien important, qui t'a attiré l'attention, c'est lui-même qui est responsable, en fait, qui est président de toute grosse association entreprise privée en Turquie. Et lui-même, il était à parler de partenariat public-privé en Turquie, côté que son pays. Niveau chiffre arrivé dans 100 milliards de dollars de partenariat qui fait entre le public et le privé en Turquie. Nous t'ai parlé de comment Haïti est capable de bénéficier de avancées technologiques qui gagnent dans le pays de Turquie. D'ailleurs, Fondi nous t'a accompagné de deux présidents de chambre de commerce, le président de la chambre de commerce du Nord-Est et le président de la Chambre de commerce du Nord, qui eux-mêmes, c'était deux représentants du secteur privé du côté haïtien, qui étaient là, dans un rencontre Sardou. Et nous avons parlé avec le responsable du secteur privé, hein, sur un pile opportunité qui gagne dans le pays d'Haïti, et comment nous sommes capables de travailler avec l'autre, qui pour permettre le développement des relations Turquie avec Haïti. Moi, t'ai parlé dans le forum, dans tout, t'ai un panel qui t'ai un président pays d'Haïti, serviteur Pau, qui t'ai un président pays Kosovo, qui t'ai un président pays Kenya, tout. Je voulais parler de président Kenyatta. Moi, que tout l'autre monde qui était sous panel, là, t'ai gagné monsieur Joseph Borrell, t'ai gagné d'autres panélistes. Nous tous, nous te rendons compte que bagay yo pa ka continuer fait jan y a fait là en matière de relations entre pays qui riche avec pays qui pauvre. Ça veut dire qui ça? Depuis deuxième guerre mondiale, là toute nation était prend disposition pour te mettre sous pied Nations Unies qui sont fêtées 75e année passée, gagné un bonne l'autre institution qui te met en place tout pour redéfini relations qui est entre pays riches et pays pauvres sous terre. Après 75 ans, nous finis par rendre compte, et d'ailleurs, coronavirus, la pandémie ça qui frappe nous là, finit par faire nous rendre compte que ça a un gros problème. Après 75 ans, bagaille pas qu'à continuer fait, j'ai fait fait là encore. Et c'est pour ça, moi-même, dans l'intervention pas moins clair, moi t'ai dit, si nous avons continué à faire même bagaille, et nous obtenions l'autre résultat, c'est qu'on a fouillé dans les épaules. C'est pour nous capables de gommer pour nous faire l'autre gens, si nous avons besoin de l'autre résultat. Nous avons même parlé de nous-mêmes, dirigeants du monde entier, leaders, que ou dans le secteur économique, ou dans le secteur politique, culturel, social, moi te dis aujourd'hui, faut nous comprendre, nous sommes membres équipage bateau et peuple, c'est passagers qui sont sous bateau. Ça veut dire qu'il faut nous commencer à virer Koubla
Parce que si nous continuons à aller, jeunes, nous pour aller, nous pour aller connaître un pays qui pi mal, un monde, je dirais, qui pi mal, après ça fait pandémie coronavirus là. Parce que l'économie pays est à genoux, et pourtant, nous voyons ces gros efforts qu'a fait jusqu'à présent entre gros pays, nous voyons qui gros annonce qui fait pour pays européens, nous voyons annonce qui fait par exemple pour États-Unis et d'autres autres pays, mais moi prends très au sérieux annonce qui fait tout dans affaires infrastructure pour pays à revenu faible. Et moi quoi non tête à tête m'était gagné avec président Kenya, c'était un sujet que nous t'ai parlé de lui pour nous si ensemble nous t'ai droit mettre sous pied un forum qui est le One Voice côté pour nous tout à parler d'une seule voix. Ça veut dire pays qui plus pauvre sur la terre, pays à faible moyen, nous tous nous t'a parlé un seul gens qui j'en la pied nous débat modèle que nous même en Haïti nous fait avec pays Taïwan. Par exemple Taïwan dans 10 dernières années pas de gens t'ai gagné des prêts que yo t'ai fait avec pays d'Haïti, mais entre 2017 et 2021 nous gagnons environ 250 millions de dollars de prêts et de dons que Taïwan fait avec nous. Et pourtant, c'est tout ça nous voulons passer. Ça veut dire nous avons besoin de réseau électrique. Cobla, c'est ça le fait. Nous avons besoin de système qui marche avec soleil pour te pomper de l'eau. C'est ça l'argent fait. Nous avons besoin de centre semencier. Ça veut dire côté, nous avons 2000 tonnes par année de production. Aujourd'hui, nous avons 20 000 tonnes. Et c'est ça l'argent fait. Nous construisons un centre semencier dans le sud, dans le nord-est. Il y en a la Tibonite. Et dernier bas là, nous construit, disons, avant dernier, nous construisons l'hôpital dans le nord-ouest, qui sont gros hôpital de référence à travers Fatma. Et maintenant, nous dérapons avec construction lycée d'excellence là, qui a coûté 28 millions de dollars. Côté dans la campagne, moi, te promets, moi, te dis que si moun cap fait moins 8 l'école, moins 9 l'école, qui pas une possibilité, qui finit fait 6e année, il n'y a pas qu'un code cabrit qui n'a pas. Et puis, parce que vous n'avez pas de cob, parents n'ont pas de cob pour vous à l'école, vous disparaissez dans la nature. Lycée d'excellence, ça a commencé à construire. Là, bien pour le recevoir, peut-être, c'est pas moi qui ai pour inaugurer, c'est pour le prochain président. Là, bien pour le recevoir, 750 timouns, en pays en général, timouns qui sont plus intelligents, qui n'ont pas de moyens. Ça veut dire, ça nous réalise en Haïti, c'est un modèle que lié pour tout notre pays. Que n'a parlé là nous dit One Voice là, c'est tout pays qui a bien pour mettre ensemble pour nous parler non seule voix pour nous taoué aide ça moi qui annoncé en matière d'infrastructure. Et bien content tout moi t'étendel depuis que président des États-Unis li monte en fonction li entre en fonction veut parler du président Biden qui t'a parlé du racisme systémique. Et nous-mêmes nous prend en nous prenons parole ça très important parce que là n'a regardé 25 pays qui plus pauvres sous la terre. Malheureusement ça me va dire là rien doit pas ranger certains monde, mais c'est ça lié tous ces pays noirs, les 25 pays les plus pauvres de la terre. C'est peut-être Yémen qui peut être un pays arabe, mais tout reste c'est des pays qui en Afrique et c'est Haïti qui dans Caraïbes là qui n'a mis tant pays ça. C'est pour me dire que aujourd'hui un moment arrivé pour nous dire la vérité en cours. Pour nous garder l'autre dans les yeux, c'est ça que je dis dans le forum, dans tout, pour que la vérité nous dise et nous fassions ensemble. Pour nous apprendre que pour nous ne pas nous ne pas voir tout à sur l'autre, ça veut dire pays pauvre, pour ne pas dire que c'est pays riche qui la cause. Pays riche, tout pour dire que c'est pays pauvre qui gaspille comme là. Mais on fait l'autre genre. Genre, nous faisons modèle Taïwan, non? Côté pays riche là, où dit, où il y a tant l'argent disposé pour pays pauvre, eh bien, venez avec entreprise pauvre. Pays pauvres là même identifier ça rien pour faire. Par exemple Haïti. Pays d'Haïti nous besoin 60 000 salles de classe, 4 000 km route, réseau électrique, barrage irrigation, l'hôpital, sécurité. C'est dit ça yo. Nous même n'a dit qui problème nous rien et puis à ce moment-là nous bay fiche de problème yo et l'autre pays qui a venir avec quoi bio, yo venir pour yo venir avec société dans le pays, et l'obligatoire, même j'ai ça fait avec Taïwan, qui vient faire réseau électrique là, il y a 23 autres entreprises haïtiennes qui bénéficient de contrats dans l'argent Taïwan. Ça veut dire Taïwan, contrat fait pour 150 millions, disons 157 millions,
yo vinn travail yo même compagnie taïwanaise mais gon bonne lot entreprise haïtienne qui yo même bénéficier tout qui a travaillé dans l'agence ça ça nous penser c'est modèle ça aujourd'hui nous là pour nous prioriser parce que c'est eux même qui a bon pour que peuple dans pays pauvre ça peuple dans pays sous-développé ça yo yo capable joindre yo carale on souffle nous carale on vent pour ba la pas continuer fait même genre par exemple pays d'Haïti là nous prend de 1990 à 2021 que nous y a là pays a recevoir plus passer 20 milliards de dollars côté cobla qui ça le fait personne ba wel mais je dis un moment arrivé pour nous pas dire qui est-ce qui la cause c'est pas Haïti qui recevoir là qui cause ni pays qui bali à qui cause Haïti modèle là c'est lui même pour nous changer c'est-à-dire modèle là pas bon et c'est pour ça c'est lui clair li net pour tout le monde expérience que nous même nous sommes faire encore n'a fait actuellement avec Taïwan là li clair li montrer nous comme la sorti dans pays là li vini en Haïti li fait exactement ça dirigeant haïtien yo te veut faire pas gain bataille nous te dit réseau électrique construit et dans tout pays hein dans toute la petite ville tout le monde dans pays là ouais qui côté poteau électrique a atterri des côtés loin mais c'est même comme ça c'est pour tout réseau qui a construit c'est ton prêt qui t'est fait et c'était pour ça t'est fait nous avons l'autre compagnie c'est pas compagnie taïwanaise qui vient construire c'est même genre tout dans affaire pompage solaire là nous avons presque 12.5 millions à 15 disons presque 15 millions de dollars c'est une entreprise taïwanaise avec d'autres haïtiens qui viennent qui a installé travail ça voilà ça nous même nous baille priorité même avec les lycée d'excellence qu'a construit nous a bien des sous-traitants qui fait avec des entreprises haïtiennes c'est entreprise taïwanaise qui a fait bilatéral que nous avons avec le président Erdogan nous te font en pile parler ensemble sous un pile domaine tant que construction énergie sécurité d'ailleurs nous te même parlé de premier contact qui était fait pour nous te gagner des bateaux qui te produit électricité dans le pays mais genre que nous comprenons nous wel tout et qu'au commission nationale du marché public le projet a dérivé on croit que c'était deux projets qui arrivent ensemble c'était General Electric là lui-même il est clair et moi-même tout me dit d'accord que au lieu nous te louer ça veut dire pour nous à payer on courant et puis bateau c'est pas pour nous le pied nous te prioriser 60 MW sur Port-au-Prince 30 MW sous Cap-Haïtien. Disons maintenant 90 MW sous Port-au-Prince et 30 sous Cap-Haïtien. Ça veut dire que 60 MW là qui installé déjà. D'ailleurs, nous avons rien pour nous parler de ça. On l'autre là, mais nous avons tout désordre qui a commencé à partir du 1er juin dans le pays. Et c'est parce que tu as gagné en fait inauguration centrale qui a fait 5 juin. Qui n'a pas fait. Et je pensais que la fête, parce que c'est triste pour nous dire, mais en réalité, côté développement conseil de monde il fait peur et aujourd'hui nous arrivons au moment côté fort développement fait tout le monde content même j'ai pays côté me saute là dedans Turquie entre 2002 et 2021 il est sorti de 45 000 MW il passe à 95 000 MW et entre 2012 et 2020 c'est au point élan ça veut dire plus que 70% énergie ça c'est le ça que vous installez pour nous faire un exercice simple. L'on parle de 45 MW, 45 000 MW en 2002, et nous parlons de 95 000 MW en 2021, mais nous comprenons bien. C'est près de 50 000 MW en moins de 20 ans. Et entre 2008 et 2000, entre 2012, je dirais, et 2020, yo pour un pic, c'est en cours, il fait 40 000 MW en 10 ans. En 8 ans, je dirais. Et puis il fait peut-être 10 000 MW. En 10 ans. 40 000 MW pour nous-mêmes, Captain Dim, la comprendre bien. On paye, ça veut dire, c'est cerveau, tu qui est même dans la tête, même là avec nous. C'est dirigeant politique, même là avec nous. Et pourtant, on prend décision, on dit, bon, ok, après résoudre le problème électricité là, dans 8 ans, on construit et on fait marcher 50 000 MW. Moi-même, je dis, dans 5 ans, je fais 600 MW, bataille pétée. Bataille pétée parce que 600 MW, je dis, je fais dans 5 ans. Ça veut dire, l'homme dit en 2017, il y a possibilité, nous avons mis courant 24 sur 24 dans 2 ans, bataille était pire. C'est pour m'expliquer nous que aujourd'hui, hein, moment arrivé pour nous ouvrir les yeux, nous, pour nous garder l'autre pays, comment ça passe, pour qui ça nous-mêmes, nous obliger que le fait on l'autre gens, parce que nous, c'est haïtiens, nous vivons en Haïti. Aujourd'hui, en fond de travail,
pour nous capables de mettre tête ensemble. Même j'aime dire avec, par exemple, le président Erdogan, dans les affaires énergiennes, il y a d'autres modèles que Turquie commence à expérimenter. Dans la ville d'Istanbul, par exemple, qui produit 3000 tonnes fatra, même avec Ville-Port-au-Prince, qui produit quoi, environ 3500 tonnes, on me dit Port-au-Prince et ses environs, Carrefour, Pétionville, Tabac, Cité Soleil et autres, ils ont produit 3500 tonnes. Actuellement, entrepreneur qui gagne un contrat pour produire courant à partir de fatra, moi j'ai rencontré, il a produit 80 MW d'électricité avec fatra. Fatra, ordure ménagère, dans la ville d'Istanbul. Ça veut dire, ville la propre, toute fatra qui produit, il fait courant avec lui. Et pourtant nous-mêmes, nous avons des dégâts que Fatra fait ici. Même gens, même entrepreneurs, les produits, mais non t'as encore 100 MW solaire pour même zone que je parle à Istanbul. C'est pour me dire comment l'impossible pour un partenariat qui fait entre eux, pays que les Turquie et Haïti dans les affaires énergie. Je connais le docteur Ivenson Galix qui a gagné même moment conseiller MDO et numéro. Entrepreneur à Bali et me connaît en contact pour nous qui pi bon manière courant nous dit pour pays a gagner tout temps pour nous capable rentrer dans énergie renouvelable bio tout l'autre bagarre avec président Erdogan que nous te parler c'est sous affaire ciment nous connaît depuis monter président en 2017 d'ailleurs c'est ton promesse de campagne que nous te fait sous place d'Am Gonaïve nous te dit que faut bon usine ciment qui construit dans zone Atibonite là. D'ailleurs, le plus gros mine ciment qui gagne dans le pays, c'est, disons dans le Caraïbe, là, je m'excuse, c'est dans la Tibonite. C'est Mont de la Pierre qui gagne 25 km2 de matière première. Malheureusement, toute entreprise qui est entrée, elle n'est pas arrivée à accepter pour te monter l'usine. Ça. En pile contact est fait, pendant que nous parlons là, nous rencontrons un groupe d'étrangers tout, qui est venu. Et je connais qu'il y a un travail, d'ailleurs, il y a une nouvelle, qu'il y a tourné avec une quantité de monde, mais pas avec le président Erdogan, nous tout parler de ça tout, parce que Haïti aujourd'hui a consommé 4 millions de tonnes de ciment chaque année, et pourtant tout ciment Haïti a consommé net en général, c'est l'autre bol acheté. Je veux pour tout le monde comprendre ça clair, nous entendons qu'il y a une usine ciment en Haïti, non pas une usine ciment en Haïti. Il y a une usine dans sa charge. Ça veut dire côté, il y a un ciment dans sa chaise, dans sac, ou bien il y a des moulins. Côté clinker avini, il y a un moulin. Et puis on mettait dans sa chair ici. Ça veut dire, moment arrivé, il faut Haïti, nous capable de commencer à réfléchir pour pays à capable de gagner une vraie usine qui produit ciment, qui produit clinker, qui utilise ma matière première qu'on gagne pour faire ciment. Même ça, même j'en fais dans tout l'autre pays sur la terre. Parce qu'on pays pas qu'à besoin 4 000 tonnes, je dirais, de ciment. 4 millions de tonnes de ciment par année et dans 4 millions de tonnes non, nous faisons 0 tonnes. Je connais que l'autre monsieur qui est pour venir, même parler tout avec le président Erdogan sous ça, si l'autre groupe ça, Pierre Tachapé, il n'a pas de volonté pour venir pour finir le travail, pour au moins pour nous avoir l'autre groupe qui est capable de travailler pour nous capable réellement développer le secteur ça qui est base de développement pays. Pas de gens qui nous ont parlé de développement, sinon pas de matière première ça qui est le ciment. Et nous avons parlé avec le président Erdogan pour les affaires de sécurité, pour les affaires d'équipement et matériel, accessoires, surtout et équipement non létal. Ça veut dire nous parler d'équipement de protection individuelle. Pour la police, qui meilleure façon qui gagne, des capacités qui pour construire des véhicules blindés de transport, de troupes. Tout ça, nous te parlé, et le ministre de la Défense qui était là, tout dans le voyage, nous croyons aussi un mémorandum d'entente entre en fait, responsable industrie de l'armement turc et le ministre de la Défense haïtien sous affaire bon gens, relations qui a mettre entre la Turquie et Haïti. Je crois que si on a l'autre point que nous ne pas parler de lui, non communiquer dans note que le secrétaire d'État communication qui vient pour le sortir, si il y a un point que nous ne pas parler là, parce que je connais d'autres personnes qui ont fait d'autres bilatérales, tant que le président de la Chambre de commerce, je connais qui ont fait bilatéral, tout, eux-mêmes, ils sont capables de parler de ça après.
Deuxième point aujourd'hui, parce que nous connaissons, nous n'avons pas parlé de venir parler là après 18 mai. Aujourd'hui, c'est 20 juin, pour nous pas parler de dossier insécurité. Je crois que dossier insécurité, ça, tout le monde aujourd'hui, c'est un coup tout le monde dit dossier insécurité, c'est qu'on y a. Même les rappeler tout le monde. Pays a entré dans un cycle infernal depuis, je dirais, 18 dernières années, un cycle infernal d'insécurité. Et cycle ça, mettez-nous dans une situation côté chaque temps nous obligeons à éteindre du feu. Nous songez en 2005, conseil de noms qui te compte faire la pluie et le beau temps. Par exemple, Amaral, Dédouilmé, et 26 couteaux. Grenzonnet, côté yo, je dis à, yo pas là. Et la police à côté, la police est toujours là. Au contraire, la police a renforcé. En 2005, la police a peut-être 3000 personnes, je dis à 14 000, ou presque 15 000 personnes. La police en 2005, pas de grand blende, je dis à une quinzaine, ou disons une vingtaine, entre ça, 9 et ça qui usé. La police a pas de des unités spécialisées qui peuvent faire des opérations, ok, en, au moment opportun dans des zones qui sont difficiles. Je dis à la police là, lui, commencer à doter tête lui des unités qui sont capables de permettre lui de rentrer des côtés difficiles et pour mettre l'ordre dans des zones. L'homme monté président, t'es conseillé de non tout en 2017. T'as comme te connais dans zone Matissan. Ou te gen tête calé, Anel, dans la zone de Rivière de la Tibonite, Odma, dans la zone Cité Soleil, Tsinga, dans la zone de la Tibonite, Canal du Vent. Côté yo, yo pas là. 2017, oui. Côté la police là, toujours là. La police là, renforcée. Et c'est pour me dire aujourd'hui, je profite de l'occasion, ça pour me dire chaque grand haïtien qui a tendu là. Pas de personne qui te cap vini ou al nan devant peuple ou pour pouvoir nan men. Et puis, jodi a pour tenan tete lang ak bandi. Moi même, moi fais campagne pendant 22 mois dans le pays. C'était candidat qui te gen campagne qui te qui pas de violence du tout la donne. C'était pas l'un de kon balé, son discours que nous te gen, et c'était pour ça que la population a te voté nous. Jodi a dossier sécurité a. Jean nous dit, c'est pas un dossier. Je dis, son dossier qui datait, j'en lis à deux, environ 20 ans, pour ne plus préciser, 18 ans. Et c'est pour ça, je profite de l'occasion pour me dire tout acteur. Acteur qui était dans le phénomène ça depuis qu'elle a commencé. Je voulais parler de l'international. Je voulais parler de gouvernement. Ça veut dire, moi-même, comme chef de l'État, premier ministre qui l'a, avec tout mon gouvernement. Je voulais parler de secteur privé. Nous tous ensemble qui te mettez main, je voulais parler de politiciens, qui te mettez main, qui te fait nous te joindre un mot sur la paix, mais qui pas durer. Je dis, il faut nous commencer à mettre main pour nous commencer à réfléchir à la paix, on l'autre gens. Parce que je me songe, après l'opération Bagdad, nous devons artistes pour la paix. Mais, est-ce qu'artistes pour la paix, ben nous, ça nous souhaite ya? Non. Ça veut dire, après, nous devons CNDDR, Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Moi-même, ça a 27 mois, je mette commission ça quand campé tout. Est-ce que je dis, je dis que commission, résultat que je t'attends dans ces limes, non. C'est pour me dire que problème insécurité, les plus profonds, problème violence qui vient dans Port-au-Prince là, les plus profonds que gens nous-mêmes n'ont réfléchi là. C'est pour ça que je dis, je demande. Communauté internationale là, qui t'a supporté problème ça de 2004 pour arriver jusqu'en 2017. Je voulais clair pour tout le monde dit que me dit c'est pour ministère tournant quoi. T'as les m'attendre c'est ça me dit. Non, c'est pas lui me dit. Moi dit communauté internationale là. Engagement qui pour prend ensemble avec la police nationale qui aujourd'hui a nous une police nationale qui gagne près de 15 000 monde la donne. Engagement qui pour prend avec autorité établie. Pour nous capables, gens, nous te commencé à faire le mois mars
et il y a un résultat, nous commençons à jouer par exemple dans l'importation de munitions dans le pays. Jean nous demande que les amis nous, pays les États-Unis, aider nous pour nous chaque temps nous qu'un bon municipe qui avec balle avec zam nan ça que li importé pour permettre nous capable remonter filière moun sa jusqu'à côté moun nan moun qui te mette l nan conteneur ça a commencé ba résultat faut me dire que zafè munition li commencé vinn pi difficile pour bandi rejoindre et faut continuer sous lancer ça moun qui comprennent qui nan commerce munition dans pays a c'est pour que la police li même tout service nous mettez ensemble nous font seul qui pour permettre que nous arriver sur yo pour gens me connaît gen moun qui nan prison m'tendez de rumeurs parce que même dit c'était des rumeurs que vous voyez parce que jusqu'à présent comme président m'poko recevoir un document formel ni on liste qui dit même moun k'ap vann zam nan pays a même moun k'ap vann munition nan pays a mandé ministre justice s'il recevoir les dit non juste les pas recevoir les m'tendez ça t'ai parlé dans radio c'est pour me dire tout le monde aujourd'hui nous même nous pas dans danser coller à personne qui dans zak insécurité à violence en dans pays a m'profite occasion encore j'aime te commencer pour me voir sympathie moi bay tout policier yo bay tout parent victime yo pour me dire que on l'autre fois encore police l'a frappé mais nous pas ka courir nous pas ka faire bac police là aujourd'hui n'a goumé pour nous renforcer pour permettre pour le cas camper goumen avec moun qui comprennent qui ca mettre dans des routes la police c'est quoi légal que nous gagne dans pays là c'est lui même nous là pour nous renforcer et c'est pour nous continuer faire gens instruction passé à premier ministre qui là directeur général police quel que soit ça la police là li besoin moi connais gagne pile problème gagne pile déficit gagne pile ça a besoin pour le travail pour faire face à moment ça yo gen problème yo pas sur place et m'a demandé DG police m konnen gen de commande qui te fait pour qui ça commande ça yo pour arriver si on côté ça avion pour prendre l'état c'est pour le prendre charge qui pour payer pour yo capable transporter pour arriver pour venir en support pour la police là parce que les bandits déclarer la police la guerre son seul choix que la police gagne c'est faire la guerre avec yo et nous mêmes au plus haut niveau de l'état moi dis li nous sommes comme la justice, cette femme aux yeux bandés. Nous là pour nous supporter la police là à 100%. Pour nous capables de dire, jodia, bandi yo, yo pas qu'à continuer à faire chemin encore. Route barré tout côté en bas la ville là. Nous connaissons que la police actuellement a fait opération Kounia. Et me félicite yo pour ça. Et connaît que nous derrière yo, nous pas jamais lagué yo. Nous pas qu'à camper pour nous garder bandi qui a pris le pays. Les gens qui déplacent, nous avons presque plus de 3000 personnes qui déplacent dans la zone Matissan qui n'ont pas fou. Nous avons plus de 2 milliers de personnes qui déplacent qui dans la zone Delma, bas Delma. Je demande protection civile, FAES, pour les ministres qui l'ont, jeudi, dimanche, même, pour une réunion d'urgence qui fait pour que les gens nous ne pas quitter. Côté yo et à ton coup de petit mis sans gado. PM, faut que nous réunions avec mon yo, ministre affaires sociales là, rapidement, pour nous pour ta fond réunion, pour nous équiper en bonne manière, pour nous venir en support à moun sa yo. Mais moun sa yo m'a dit yo, l'état pas campé gade, la police a travaillé pour qu'a retourner la caillou. Parce que pas y'a personne qui a campé pour. Mettez yo dehors, parce que bandi, je nous dis là, la vie bandi, c'est coûte que ça dure. Je dis à 4 ans, 4 mois sous pouvoir, je suis cité avec nous, 5 têtes de série. Et vous mettez sur la 2e division, tout la 3e division. Mais ça, c'est tête de série. Il n'y a pas là. Mais ou même je dis à vous, vous prenez place tête de série, vous ne parlez pas là tout. Même j'avais ça pas là de 2017 à aujourd'hui. Vous ne parlez pas là. Et là, vous ne parlez pas là. Ce n'est pas bien que la main dit, parce que nous, c'est haïtiens, c'est pour ça que nous mettons CNDD à sous pied. Pour nous connaître, pour nous suspendre, pour que nous avec la police qui se force légale, il y a rien. Depuis ce sous chemin, ça nous nous prenons route pour nous parler. Et nous, peuple, nous avons comme garantie. Peuple,
continuer à faire confiance dans la police nationale. La population avec la police, ça, c'est yon bounouye. Opération qui fait yo, ces derniers temps, yon réussi. C'est la collaboration population avec la police qui fait yon réussi. Zak de vandalisme cap commettre sous business moun nan pays a. Moi même cap parler avec nous entrepreneur mi. Mais konn ki douleur ça gen la dedans l'on moun prêt ton cob la banque. Ou allo faire business ou et puis un jour ou lever ces portes là ouais qui ouvert pas gagnant dedans. Moi crois que nan non l'état haïtien, nan non tout gouvernement nous camper sous côté toute victime ça. Et premier ministre qui là m'a demandé pour presser une enquête qui menait pour nous voir qui entrepreneur, qui commerçant dans le secteur privé qui victime pour nous garder chita parler avec eux, pour nous qui pire bon manière, parce que c'est pour ça l'État haïtien, les BNC, banque BNC sont banque commerciale liée 7, mais il est là pour supporter dans le moment qui est plus difficile, leur gain problème. PM, pour regarder ça, les gens qui victime de actes de vandalisme, bandits, toute plimaille qui comprennent c'est eux qui l'état, même à vous une nouvelle là-bas, encore, tant que on bandit vive, pas jamais long. La police, pas garder derrière nous derrière. On profite occasion tout pour me demander toute frème, toute somme. Je voulais parler, somme à frème qui n'a association de droits humains. Somme à frème qui n'a presse là. La police là, pour une fois encore, il besoin nous, je dis. Peuple haïtien, pas voix pam, li voye m'parler avec nous. Pour le dire nous, jodi a li besoin nous. Li besoin nous pour nous camper bon côté la police, pour nous camper pour nous faire yon avec l'État, pour nous comment, pour nous mettre force nous ensemble, la presse, qui sont puissance, qui sont pouvoir, pour nous comment à faire, pour nous mettre nous ensemble, pour nous goumer contre phénomène ça qui sorti pour mettre dans zone métropolitaine nan, à terre. Parce que Port-au-Prince, c'est ville nous. Zone métropolitaine, non? Ces zones nous n'ont pas qu'à quitter les tournées en zone de non-droit en général. Frère Maxem, qui n'a toute association de droits humains dans le pays. Protecteur citoyen, Captain Demla, on connaît que on a une institution indépendante. Mais je dis, la police a besoin de soutien nous. L'État a besoin de soutien nous. Besoin de support nous dans la bataille qui a mené contre les bandits. Qui sortit pour mettre la police et l'État à genoux. Nous-mêmes, nous disons, nous campons ferme derrière force de sécurité dans le pays. La médaille, je connais que la police, toujours parfois, à travers le chef CSPN, demande nos services pour nous faire couverture pour eux. Nous pas une opération directe. Mais nous-mêmes, tout c'est pour être nous. Parce que depuis nous avons fait choix, même si je dis, c'est peut-être 5 ou 600 militaires que nous avons dans le pays. Mais, pas rien fait back. Tout c'est pour être nous. Les policiers devant, ils ont même les gens qui nous derrière. Les gens qui derrière, c'est pour nous connaître, pour nous nous là. C'est pour nous battre ensemble avec eux, pour nous mettre la paix, pour que la sérénité tourne dans la famille, pour que le monde vive tranquillement dans le quartier. Des quartiers, longtemps, c'est des quartiers qui étaient réputés tranquilles. Je dis, nous, les quartiers, c'est dans les bandits qui commencent à faire la pluie et le beau temps. Moun Port-au-Prince, moun Kafou, moun Pétionville, moun Delma, moun Cité Soleil, moun Tabac, moun Croix des Bouquets, en nous, serré collé. Mettez tête nous ensemble, moun Matissan, avec force de sécurité. Yo. Pour bon genre réponse bail, pour nous capables de mettre tout bandit hors d'état de nuire. Parce que bandit pas jamais prend place force légale dans quel pays sur la terre. Jamais. Force légale, c'est eux-mêmes qui là pour capable de mettre sécurité, combattre